29 pour John McEnroe au service. Zero. C'est à la fois attaqué et posé. Les deux choses pouvant parfaitement se marier. Bon Hervé, je crois que maintenant l'intensité du match va se retrouver totalement car à l'heure qu'il est au score qui s'affiche au tableau, 2-7-1 McEnroe, deux jeux partout, celui-ci devrait essayer de produire un effort plus particulier pour ravir le service de son jeune adversaire. Et si ce n'était pas le cas, Edberg le tentera à son tour le jeu d'après. Décidé, Edberg. Bien, partout. Oh là là! Quel talent chez Stéphane Edberg! Saisie de rêve, car là encore McEnroe était resté du bon côté. Parfaitement anticipé, il fait un superbe coup. De maîtrise. Voilà pourquoi il faut avancer sur la balle, Hervé. Car quand la balle est bien centrée, eh bien elle va si vite que le serveur n'a pas le temps de bouger pour contrer.
les quatre étaient 30 partout alors que les jeux précédents se gagnaient blanc. Trois heures de match, très exactement. Égalité. Et une nouvelle faute de pied comptée à Stéphane Edberg. Cette fois-ci, il s'est motivé pour allonger cette deuxième balle et il l'a suivi au filet, contrairement au point précédent. Tout est affaire de volonté aussi. Car après 3 heures de jeu, il est souvent difficile de faire uniquement service volé sur première et deuxième balle. La lassitude jouant. Vous aviez raison de toute façon, c'est ce qui était l'issue de ce jeu.